Salut, c'est Thibaut Pêche. Ben, comme d'habitude, un petit coup du soir là. Là par contre je suis pas en flat tube, ça va être un coup du soir du bord. Sur un poste vraiment sauvage, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pêché. Alors il va y avoir une petite descente. Hein. Voilà, ça descend séco ça. Donc ça c'est super parce que ça limite le nombre de gens qui peuvent y aller. Donc voilà, j'ai une heure et demie de pêche, on va bien voir. Ça va donner, hein. J'y crois pas énormément parce que c'est un petit couette de 31, mais bon c'est un poste qui est excellent, donc on va bien voir. J'ai pris des leurres souples, des leurres durs, des leurres flottants, puis quelques gigs au cas où, c'est vraiment galère. Voilà, à plus. Super dans le poste, hein. Bon bah je me dépêche qu'une heure et demie ça passe vite, regardez. Tu vois là dans l'ombre. Hey, hey. Allez, c'est parti, youhou! Alors voilà le matériel que j'ai pris, hein. J'ai vraiment pris pas grand chose. J'ai pris ma canne, une canne vraiment basique, une vieille canne Décathlon, elle est toute molle. Mais bon, avec un petit moulinet au cuma là. Mais ça va faire le job tout ça, hein. Y a pas de problème, hein. C'est pas la peine d'avoir des cannes, surtout en vélo. Voilà, j'ai pris ça comme gig. Les anciennes de Décathlon, ils les font plus, elles marchent très très bien celles-là. Ami Metal Spot, Mitra Spoon. Ça, alors ça c'est un duel, je vous avais acheté en promo, des Décathlon, sont super hein. Pour les céphalopodes, parce que c'est phosphorescent, un petit truc hein. Si vous avez des trucs phosphorescents, c'est ça qui fait que les turlutes ça marche très bien, c'est côté phosphorescent hein, souvent, faut le savoir. Donc ça c'est un gig qui permet de faire des encornés quand il y en a. Et niveau des leurres dures, bah voilà hein, Super Spook, ça c'est des imitations de Z-Clo, ça c'est le Symbony. Encore une imitation de Z-Clo, et puis ça c'est des leurres tout pourris, mais qui marchent très très bien là, c'est AliExpress, ça vaut 80 centimes, il marche bien, il vibre à fond. Voilà, un Stacy, c'est le seul qui sera, c'est la seule marque de leurre de marque. Voilà, l'imitation du Stacy aussi. Ah, et nylon, alors là je vais toujours pêcher en nylon noir, on va voir, hein. C'est du truc que j'achète à Decathlon. Il n'est pas très résistant linéairement, mais par contre à l'abrasion il est génial, c'est fait exprès. Hein. On fait la tête de l'île, les carpistes ils s'en servent, c'est pas mal. Voilà, donc on va passer un petit coup de leur soupe, pas de leur soupe, de leur de surface, là, direct là-dedans, là, un petit couloir sympa. Maintenant je passe à la Mitra Spoon, elle fait 25 grammes. Voilà, moi avec ça je devrais faire autre chose que des petits lieux. Hop. Un joli petit chinchard. Je vais retourner à l'eau, il grogne, crac crac crac. Et voilà, ça grouille de chinchard, hein. Un truc de malade tout ce qu'il y a. Je sais pas, j'arrête pas de les décrocher. Et... voilà, c'est quand même des jolis poissons, hein. Super. On voit pas de bar, rien ce soir. Puis j'ai une perruque, il va falloir que j'aille. Thibaut pêche! Allez hop! Il n'y a que des chinchards. Au moins ça évite le capot. Encore un petit chinchouille. Magnifique petit chinchouille qui est venu voir Thibaut pêche. Bye bye bye. Et voilà. Un petit taco.
c'est que vraiment la nuit elle arrive. Hein. Quand la nuit elle arrive, bah, ils arrivent à fond. Voilà, c'est un beau poisson quand même, c'est beau les tacos. Hein. Je vais le garder celui-là, je vais le donner à mes chats, ils seront contents. Désolé pour les gars qui adorent le Noki, hein, mais les chats et le poisson, c'est encore pire que moi et le poisson. Voilà, on va finir, je vais le tuer tout de suite, c'est pas la peine de le faire souffrir. Voilà, bah, la pêche, hein, c'est pas toujours les grosses pêches hein, ou du bar à chaque fois. Hein. Là après, le coefficient était de 31, donc c'était un peu difficile, mais bon, c'est super agréable le soir comme ça. Il n'y a personne, pas de péchouille, tranquille, hein. Vraiment c'est agréable, aller coucher du soleil, tout ça, je passe un super moment. C'est vrai que j'aurais pu aller sur des postes que je connais, enfin, celui-là je le connais bien, ça fait longtemps que j'ai pas pêché, mais je le connais bien. Sur des postes où j'aurais eu un peu plus de possibilités, mais là il y en a des barres. Hein. Après, c'est le coefficient, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, j'ai quand même, je suis pas bredouille, hein. Je suis quand même au moins 6 poissons minimum. Hein. Donc c'est bien, et puis ça change du bar, hein. Il n'y a pas que le bar dans la vie. Hein. Ça fait plaisir aussi de pêcher avec des techniques différentes, un peu... Ceci dit, c'est vrai que j'ai pas insisté trop avec les... avec tous les leurres de surface, tout ça. Hein. C'est peut-être pour ça que je prends moins de bar. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'en prends hein, souvent à la cuillère, enfin au jig, excusez-moi, ça arrive pas d'en dire à jig. Ça fait moderne, on fait une grosse cuillère à l'autre, quoi. Technique de bourrin, toujours efficace. Ça permet de... Là, sinon, je pense que ça aurait été un capot. Bon, là, il va falloir que je remonte. Hein. Donc, je commence à plier les gaules bien. Il faut remonter avant qu'il fasse nuit. Hein. C'est... Il y a quand même du dénivelé, voilà. Bon, bah, abonnez-vous, hein, parce que sinon, les sponsors, ils vont faire la gueule. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis, hein, pour d'autres parties. Il y en aura plein d'autres. Hein, si, peut-être j'essaierai un de ces quatre. Je viendrai, je vais prendre un chachard. Puis je vais le couler au fond et pour prendre un gros congre parce que là sur des endroits comme ça il y a des congres, ils sont vraiment énormes, donc ça peut être sympa, ça peut faire une vidéo cool. Puis le congre c'est pareil hein, c'est un poisson qui est pas mal dénigré alors que c'est un super combattant, c'est un truc de malade hein. Quand on les sort de l'eau faut les sortir en force et du bord c'est vraiment pas gagné quoi. Ici il y a des poissons qui font 20 kg hein, sans problème. Bon, en général on fait des poissons de 10 entre 10 et 15 quoi, souvent c'est bien quoi, du bord. Ça fait vraiment un poisson plus gros qu'un gros bar quoi. Donc bah, je ferai peut-être ça, après il faut que je trouve un système pour l'éclairage et puis on verra ça. Voilà. Allez à plus les gars, oubliez pas de me liker, hein. C'est important pour mes sponsors. À plus. Timo Pêche.